Ce couple de Hollandais profite seul de la piscine de ce petit camping, un mode de vacances choisi pour son coût modique, mais pas seulement. Nous avons choisi ce camping pour nous relaxer. Nous aimons les activités de plein air, marcher, faire du vélo, être au calme. Ici, c'est parfait. Ces Vendéens ont plutôt opté pour un hébergement insolite, une cabane dans les arbres, avec le soleil de Provence en prime. Le prix compte un peu. C'est une fourchette qu'on se donne. Moi, je n'ai pas trouvé ça plus cher ou moins cher que ce qu'on met habituellement. Donc, C'est plutôt le cadre qui vous a convaincu. Oui. La région, le cadre, et puis la petite capacité d'accueil qui, pour nous, est quand même quelque chose d'important. Ouais. On est habitué à être au calme. Mais pour les propriétaires du camping, cette saison manque de dynamisme, moins 20%. La faute, selon eux, au pouvoir d'achat, une situation qui les inquiète, la structure n'a pas fait le plein. On a plusieurs types de locations différentes, mais toutes sont à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on a du mal à les louer, même au plus fort de la saison, là, aujourd'hui. On a certaines locations qui sont vides aujourd'hui, alors que ça ne nous était jamais arrivé. Paradoxe, alors que les Français disent vouloir des vacances vertes, économes, loin de la foule, autant d'atouts proposés ici, en zone de moyenne montagne.